Je peux le faire comme ça. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Johnny va lancer notre corps arbitral, c'est ça. Tout à fait. Alors voici notre corps arbitral de la soirée. Bravo. L'arbitre de ce soir. L'arbitre de ce soir est Monsieur Thierry Olivar. Bonsoir Tonon. Bonsoir. Je reconnais là bien l'hospitalité au Savoyard. Nous ne l'échauffez pas tout de suite, monsieur. Je précise pour le petit jeune homme qui vient de lancer sa chaussette et que toutes les chaussettes qui sont lancées sont autant de temps qui sont perdus sur les improvisations. À vous de choisir ce que vous êtes venu, je suis venu voir ce soir. Bien. Improvisation. Bien joué. Mixte. Merci Gilbert Montagny. Improvisation mixte. Qui aura pour thème l'amour à travers les âges. Vous verrez ce soir, je vais en placer une. J'explique juste pour notre public qui ne le sait pas forcément. Les chaussettes sont simplement là pour manifester votre mécontentement. Donc si quelqu'un qui lit une fiche, et déjà, vous n'êtes pas content de ça, ne venez pas voir du théâtre. Merci. Vous êtes dur. Vous pouvez y aller, par exemple. Une chaussette. Et je rappelle, le temps est décompté. Merci. Vous allez voir quatre fois au cours de la soirée l'amour à travers les âges avec quatre époques. Voici le premier tableau. L'amour à travers les âges. Tableau numéro 1, la jeunesse. Donc, voilà. Vous voyez de qui je parle. Le nombre de joueurs sera illimité. Ce sera donc une catégorie histoire du monde et l'heure pour durer 2 minutes. Voilà, il faut un superbe compte oriental et lui, il met du faudel. Oh, mais bon, votre cliché. Oh là 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 là. En même temps, au niveau de traversée du désert, il connaît lui aussi. Bref, improvisation comparée, qui n'aura pas de thème puisqu'elle sera de catégorie squash. Je vais demander à 2 joueurs de chaque côté de venir directement sur la patinoire, s'il vous plaît. J'explique la catégorie squash. D'abord, je vais faire un tirage de sang, donc parmi les capitaines, excusez-moi. Mais il fait n'importe quoi. C'est lui qui a dit. Je me doute bien, puisque c'était une voix d'homme.